Alors comme ça, tu m'as trompé. Eh ben moi, je vais te bloquer. Bonjour tout le monde. Je sais qu'il y a une Diana qui regarde le live. Et tout à l'heure, je chantais ça, elle était là. Oh, arrête, arrête. Je me prépare pour le test de pureté. Alors, qu'un test de pureté ? Un test de pureté. On va déjà chercher ça, on va prendre le premier qui vient. Bam, test de pureté. Allez, bim, test de pureté. J'ai bien envie de t'entendre raconter des anecdotes salaces. Ah non, sexuelles, pardon. On va voir, peut-être qu'il y aura des anecdotes sexuelles dans le test de pureté. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est un petit zoom hein, quand même. Hop, qu'on puisse y voir quelque chose. Attendez, je vais même me mettre comme ça. Voilà. Ce jeu d'un goût douteux va vous en apprendre beaucoup sur vous-même. Eh bien, commençons. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Bien sûr. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Ah, je mentirais si je dirais pas non, parce que c'est vrai que j'ai eu fait quelques blagues un peu crades sur les handicapés, c'est vrai. Toujours dans la bonne humeur et l'humour, bien sûr. Alors, c'est quoi ça, sexe ? Ah, d'accord, on a tout de suite... Ah, notre mort... Alors, déjà, on n'a pas de morale. Alors, oui, on peut dire ça. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un ? Bien sûr. Vous vous êtes déjà masturbé ? Plus d'une fois. Jusqu'à l'orgasme ? Bien sûr. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver ? Oh, 4 jours ou plus. Easy. Avez-vous déjà bu de l'alcool ? Jamais. Oh purée, je suis déjà impur. Et oh là là, tu me déçois, l'état. Ah, je risque de fortement vous décevoir. Alors, déjà vomi sur vous ? Oui, un petit peu. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Oh oui. Avez-vous déjà... Oh mon dieu, j'ai l'impression que l'écran il change de couleur. Avez-vous déjà bu de l'alcool à l'état ? Jamais, dit-il en buffant une bouteille de bière. Avez-vous déjà drogué vos parents ? J'ai fumé quelques pétards avec ma maman, donc on peut dire... Quelques fois. Alors, avez-vous déjà participé... Déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot ? Bien sûr ! Qui ne se vante pas de ses pratiques sexuelles au boulot, mais bien sûr ! Avez-vous déjà participé à un marathon ? Non, alors j'ai jamais fait ça. Non, moi quand je chope un bar, j'y reste jusqu'à être sortir complètement éclaté. Non. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine ? Alors, je fais combien de lives ? Parce que moi, je ne bois pratiquement qu'en live, hein, histoire de me désinhiber un maximum. Attendez, presque tous les jours, 4 fois, 3 fois, on est quoi ? On est sur des lives 3 fois par semaine, en tout cas. Allez, 4 fois. Allez, on va être gentil avec nous-mêmes. 3 fois. Vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit ? Non. Avez-vous déjà fait un coma éthylique ? Non. Avez-vous déjà fumé une cigarette ? Bien sûr. Avez-vous déjà fumé un joint ? Bien sûr. Avez-vous déjà coulé une douille ? Bien sûr. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin ? Alors j'ai une période fumage de pétard assez intensive, donc on va dire oui. Le niveau d'alcool en haut, il est déjà à moins 44. J'ai très peur de jusqu'où ça va aller. Alcool dangereux. Possédez-vous une Bible ou un autre livre saint ? Non. Je suis pas croyant. Avez-vous déjà été à l'église volontairement ou dans un autre lieu saint ? Alors, jamais volontairement. Jamais. Mais j'y suis allé pour des baptêmes. On m'a forcé. Ah, c'est pas vrai. Avez-vous déjà essayé une drogue dure, cocaïne, héroïne ? Alors, j'ai souvent eu l'occasion. On m'a souvent fait un petit rail de coke et tout en me disant « Tiens, je t'ai fait un rail de coke, pas trop corsé. » Mais j'ai toujours dit non. Moi, ce qui me... En fait, les drogues dures, ça me fait peur parce qu'on peut en mourir, quoi. Et puis, j'ai pas trop envie de mourir parce que la mort, c'est définitif, wow. Vous voyez. Tu vas finir cette vidéo en prison.
Donc non. Avez-vous déjà fait de la prison? Jamais. Ah bah tiens, en parlant de prison. Avez-vous déjà blessé quelqu'un volontairement? C'est-à-dire blessé physiquement ou mentalement? Parce que physiquement et mentalement, oui. On peut dire oui. J'ai déjà battu. J'ai déjà... Oui, allez. Consommez-vous des drogues régulièrement? Alors non. Jamais. J'ai arrêté de fumer des pétards il y a un petit moment déjà. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah oui. Attendez, sexe opposé, c'est femme. Indiana, ça m'arrive souvent de prendre une douche avec Indiana. Tu es un monstre. Moi, je vais jamais fumer. Oh, bah, je vous le conseille pas. C'est quand même mauvais pour la santé et puis ça sert pas à grand chose. Avez-vous déjà pris un bain? Donc, on va dire oui. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Indiana qui regarde le live. Oui, je n'entrerai pas dans les détails. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Attention. Oh là là. Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation et un cunnilingus? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Je sais pas. Non, je crois pas. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Bien sûr. Avez-vous déjà fait un 69? Bien sûr. Avez-vous déjà eu une MST maladie sexuellement transmissible? T'es là, je suis en train de passer pour le gros dégueulasse. Ah, c'est drôle, mais ça fait un moment que je voulais le faire, le test de pureté. Non, j'ai malheureusement pas de MST, hein, malheureusement. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Alors, comment on peut dire ça? Alors, j'ai peut-être été à l'origine d'un avortement, mais je n'étais pas le seul à l'origine. Disons qu'on ne voulait pas d'enfant, donc on peut dire oui, on peut dire oui. Tu es dégueulasse, il est dégueulasse. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Jamais. Ah, enfin, le test de pureté repasse en pureté. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? A few moments later. Laissez-moi réfléchir, je pense que oui, oui. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Brûlures dues au frottement sur un tapis plutôt rugueux lors d'une relation sexuelle? Non, jamais. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Ouh là là. Il va me falloir... Ah non, ça va, 3 ou plus. Avez-vous déjà dormi dans des toilettes? Dans les toilettes? C'est possible. C'est possible. Je pense que je vais y aller, j'ai un poulet dans le four en voiture. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Ah, dans le doute, on va mettre oui. Je me suis peut-être assoupi après avoir un petit peu trop bu. Peut-être que c'est possible. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire et vous excite? Bien sûr. Avez-vous déjà des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou plus jeune que vous? A few moments later. C'est une bonne question, ça. Je m'éclipse, GG pour les lives, mec. Et bien stylish, la bise Indiana. Bisous, Marie. Ciao, ciao, prends soin de toi. Alors, on en est où? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux, plus jeune que vous? Bon, après, ça dépend de la question, quoi. Si 2 ans, c'est plus vieux, ou 2 ans... Salut, meurtrier, il est là. Si c'est 2 ans, genre, c'est plus vieux, quoi. Donc, on peut mettre oui. Allez, hop. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? J'ai pas hésité, mais j'ai mis du temps. Donc, on peut dire qu'il y a eu une petite hésitation. Oui. Avez-vous eu des relations sexuelles contre de l'argent? Eh ben, heureusement pour moi, c'était dans un pays où c'est légal. Donc, oui.
Avez-vous déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ah, c'est dégueulasse. Non. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler? Des aliments dans mon nez? C'est pareil. Si c'est... Ah, malgré moi, c'est possible. C'est possible. On peut... Oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? La Golden Shower, la fameuse! Et malheureusement, non. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Bien sûr, mais c'est quoi ces questions, là? Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? Oui, avec du jus de fruits! C'est dégueulasse. Non, jamais. Avez-vous déjà détruit un bien public? En skate, c'est possible, ouais. Un bien public, oui, c'est possible. Avez-vous déjà volé un ami? Peut-être quand j'étais gamin. Alors, j'avais volé une fois des cartes Pokémon. en fait, comme j'étais pas un super bon élève, mais ça, c'était en primaire, ça. La maîtresse, elle nous faisait rester, en fait, dans la classe. Puis, il y a des fois où, genre, j'étais tout seul. Tout le monde allait dehors dans la récré. Puis, moi, je restais tout seul. Alors, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, j'allais fouiller le bureau de la maîtresse. Et puis, je trouvais des cartes Pokémon, des Tamagotchi. Et puis... Dans la poche. Avez-vous déjà volé... D'ailleurs, petite anecdote, ma mère, elle avait été convoquée pour ça. Puis, genre, la prof, bien sûr, elle laisse un gamin dans la classe. Et quand elle revient, il n'y a plus les trucs. Bien sûr que c'est le gamin. C'est impossible que ça soit autrement. Et puis, moi, j'avais tellement dit... Non, non, c'est pas moi, mais je comprends pas et tout. Il y avait ma mère, elle m'avait trop cru. Et quand on était sortis, je me souviens, on avait un rendez-vous dans un médecin. Et genre, après, à ma mère, tu sais, je me sentais trop coupable. Je disais, maman... C'est moi qui ai volé. Oh, c'est toi qui as volé les cartes Pokémon. Moins 25 malsain, moins 50 dangereux, je suis dangereux. Drogue, indécent, je me fais indécent, je suis malsain en hygiène. Morale, impur, ça va. Et le karma, malsain. Bon. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non plus. Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Avez-vous déjà eu... Alors, petite précision, parce que Indiana qui regarde ça, bon, elle le sait, elle connaît très bien mon parcours de vie, mais j'ai été une fois infidèle avec une pauvre nana qui le méritait vraiment pas, et en fait, ça m'a fait tellement de la peine pour elle que du coup, je me suis dit, plus jamais je suis infidèle. Je préfère passer pour une pute et puis le dire, quoi, tu vois, genre... Vous vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non plus. Vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non. Vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Oui. Avez-vous un tatouage? Un seul. Il est là. Non, j'en ai deux. Une fois quand j'étais ivre, justement, j'ai un copain qui avait un truc pour tatouer et je me suis fait tatouer trois points, les trois points en triangle mort aux vaches, quoi. Genre le truc anarchiste. Vas-y, je suis anarchiste, moi. Fuck le système. Et en fait, c'est juste ici. Genre pas très loin, genre à côté, là. À côté du colosse, du monstre, bien sûr. Avez-vous un tatouage? Donc oui. Avez-vous déjà des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Non. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non plus. Avez-vous déjà répondu honnêtement aux questions dans la totale honnêteté? C'est fini, vous êtes malsain. Moi, petit point. Recevoir mon résultat par mail? Mais bien sûr, pourquoi pas? Allez, on va recevoir le résultat par mail. Quelle est votre adresse email? On va l'envoyer à l'adresse Aileta Letterbox. Bien sûr. Je sais même pas si c'est celle-là. Hotmail.com. Attendez, je vais quand même vérifier si c'est bien celle-là. Allô? 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 Je vais quand même vérifier si c'est bien celle-là. Donc voilà, le bon test de pureté. Impeccable. Est-ce que c'est bien cette adresse? Aileta Letterbox. C'est une adresse que vous pouvez utiliser pour m'écrire, hein, si jamais vous voulez m'envoyer un fan art ou quelque chose, donc ok, super. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Qu'est-ce que c'est que ce truc de pop-up, là? Ok.
Aileta, tu es mon grand frère caché, je pense. Aileta, il est malsain. Pervers. Salut, Percelino. Salut, BG. Bon, bah, ça fait plaisir hein, de savoir qu'on est malsain. Je vais me chercher une bière, du coup. Et voilà!